Les États-Unis baillent ensemble des détails sous attaque yo fait contre six pays Iran, nan Irak ak la Syrie. Ou connaît États-Unis te gen plan pour attaquer Iran, mais semblait plan viré, mais États-Unis attaquer six pays Iran, nan pays Irak ak la Syrie. M'pral bon détail, mais très bientôt États-Unis a mette main sous Iran. Mais pas oublier, si États-Unis attaquaient pays Iran, eh bien, Iran a rasé toute base militaire américaine qui est dans zone. Pas mal de m'explications, pas mal de s'il possible, m'on connaît le possible et habitué fait déjà. La moitié des Américains pensent qu'Israël est allé trop loin dans la bande de Gaza. M'pral bon détail au sujet des Américains qui ont fait calcul. Jean Israël allé là, c'est pour le fin éliminer Gaza net, qui dit. Eh bien, là encore, il y a une troisième information que je vais détailler pour vous. Yon sous-sens bien informé. Dans RIA Novosti, eh bien, li fournit détails pour projet, eh bien, pays Royaume-Uni gagné pour une force expéditionnaire de l'OTAN en Ukraine. Je prends le bon détail ici, là, avec un paquet d'autres informations encore, puisque vidéo, si là, c'est vidéo qui gagne pour. Et ces vidéos, mois février. Eh bien, gagnez la opération spéciale. Bon, pour prendre chasse, bon, chita. Et introduction à trop qui te rentré dans le développement. M'salye chaque patriote haïtien dans les États-Unis, dans la République dominicaine, dans le Canada, dans le pays d'Haïti. Et vous avez fait qu'on ait un gros drame qui fait tant dans le commencement de semaine si là. Dans l'aéroport Toussaint-Louverture, côté yon dame recevoir balle et gagne un vol qui rate tout. Il y a un ensemble de détails qui m'a présenté ou qui t'aime déraper rapide. Les États-Unis relèvent les détails des attaques contre des cibles iraniennes en Irak et en Syrie. L'agence CNN cite les propos du coordonnateur des communications stratégiques du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, Monsieur John Kirby, à propos des attaques des forces armées américaines contre la Syrie et l'Irak. Washington estime que les attaques américaines contre les territoires irakiens et syriens ont été couronnées de succès. Ça veut dire pays Iran prend coup. Est-ce que c'est vrai? Les États-Unis ont attaqué un total de 7 sites, 4 en Syrie et 3 en Irak. Il n'y a eu aucune victime parmi les avions militaires américains qui ont mené des attaques en Syrie et en Irak. États-Unis font pile succès, vrai papa. Les États-Unis ont informé à l'avance les autorités irakiennes de leurs projets d'attaque. Les États-Unis n'ont pas contacté l'Iran à l'avance au sujet des attaques en Irak et en Syrie. Les États-Unis ont contacté les autorités irakiennes pour le faire connaître qu'ils pourraient frapper dans le pays Irak, mais c'est pour intérêt pays Iran. Mais ils n'ont pas contacté l'Iran à l'avance avant de faire attaquer. Puisque c'est Iran même qui pral attaquer dans Syrie et dans Irak. Les États-Unis prendront des mesures supplémentaires pour mettre fin aux attaques contre les forces dans la région du Moyen-Orient. Dossier yo en pile, États-Unis a pris un coup depuis commencement année à dans Moyen-Orient et li même tout la remettre coup dans Moyen-Orient. Tout le monde a pris un coup, tout le monde a bail coup. Eh bien, situation si la li même, li assez brutale. Ou a saisi tant de gang a bay problème dans tout pays d'Haïti. États-Unis comme allié Haïti, ami Haïti, supporter Haïti pour al débloquer 60 milliards pour Ukraine. Et puis Haïti li même, même yon koute men yon pas décidé bal. Yal ramasse yon fatra ki rele Kenya. Eh bien, Kenya li même nan question lis criminalité. Il a une plus grosse position que Haïti. Haïti est prêt à prétendre pour joindre Kenya dans le numéro côté Kenya placé. Et puis c'est même Kenya si la qui pas qu'à résoudre rien la Kaili. Eh bien, il a vint prendre pour aller manquer Iso Tilapli, barbecue des gars, qui côté Kenya tap qu'à régler rien. États-Unis toujours montré lié avec nous, qu'on a li rond pour te tête li. Après toute mission menée en Haïti, rien pas réglé. Quand la yaye pour l'autre qui pi mal que Haïti pour yon mette sous Haïti, est-ce qu'on t'en décause? La moitié des Américains pensent qu'Israël est allé trop loin dans la guerre à Gaza.
Selon un sondage réalisé par le Centre de recherche sur les affaires publiques, APNORC, la moitié des Américains estiment que les opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza sont allées trop loin. La moitié des Adils pensent que l'action militaire d'Israël dans la bande de Gaza est allée trop loin. C'est plus que les 40% enregistrés dans les sondages de novembre indique le rapport du sondage. En tous les cas, Américains eux-mêmes, ils ont senti Jean-Israël a dérapé là. Et forme du bien si guerre s'arrêter jusqu'à mois mai, eh bien, pas qu'on caille cap camper dans la bande de Gaza pour ça déjà oué. Son situation qui tellement mélangée, c'est de l'eau dans les yeux tout partout. Pas de personne qui peut sauver yo. Parce que situation là dans la monde qui pour ta sauver c'est eux même qui camper derrière Israël. Et bien selon l'enquête, davantage d'électeurs du parti républicain estiment que l'offensive israélienne est allée trop loin par rapport à novembre, tandis qu'un nombre similaire de démocrates maintiennent cette conviction. En tous les cas, qui t'aime continuer plonger dans l'autre information qui est importante toujours. Eh bien, une source bien informée de RIA Novosti, un journaliste, a fourni des détails sur le projet britannique d'envoyer une force expéditionnaire de l'OTAN en Ukraine, de créer une zone d'exclusion aérienne et de saper les capacités offensives de la Russie. Royaume-Uni lui-même qui a la tête, vous connaissez une grosse force dans l'OTAN lié tout, malgré le presque bagage là, mais encore pour ça me vive. Eh bien, bagay yo même yo en pile, yo prévoit yo force expéditionnaire autant en Ukraine, c'est ça qu'a fait troisième guerre mondiale là, et yo gen yon zone d'exclusion aérienne. Il est ou di yon zone d'exclusion, eh bien, c'est yon zone en l'air que avion russe pas ka passer, sinon yap krasi li. Eh bien, c'est ça qu'a fait la Russie parler de autant entrer dans la guerre directement. La préparation d'un tel scénario pour sa mise en œuvre à Londres devrait être achevée d'ici mai 2024. Il est prévenu de transférer secrètement d'importantes forces de l'OTAN hautement maniables vers l'Ukraine depuis les régions frontalières de la Roumanie et de la Pologne pour occuper les lignes offensives le long de la rive droite du Dnipro. Une frappe préventive des forces armées de Moldavie et de Roumanie contre la Transnistrie n'est pas non plus exclue. En tous les cas, dégagez-nous, fait bataille nous, tendez oui. Une frappe préventive des forces armées de Moldavie et de Roumanie contre la Transnistrie n'est pas non plus exclue. Eh bien, Transnistrie, qui se yon ti territoire, qui trouvait li entre Ukraine et Moldavie, mais c'est un territoire pays Moldavie, eh bien qui te prend indépendance li en 92, yon groupe moun qui te supporté par Moscou, même j'en t'étendé la Gonav, te prend décision pour te prendre indépendance, c'est parce que diaspora la Gonav malhonnête, et la Gonav t'a bien tant tourné paradis. Et yon l'autre botou, te songe très proche, et petit temps qui passe là, et Wanamet te décide de prendre indépendance li tout, bon comme li nan frontière République Dominicaine, par contre si c'est quelque autorité dominicaine qui débat yo idea, eh bien afin de disperser les forces et les moyens des forces armées russes, il est prévenu de déployer un contingent des forces de l'OTAN et des armées des membres individuels du bloc sur les territoires de la Norvège et de la Finlande. En tous les cas, messieurs, prudent pour troisième guerre mondiale la pas mettez pied. Prudent, messieurs, prudent. Un gros vent cap vente 2024 là, année ça pas simple non. Est-ce que m'a bien manger pour me rendre en bataille là parce que c'est en bataille pour me taille, côté pour moi encore. Afin de disperser les forces et les moyens des forces américaines, il est prévenu de déployer un contingent des forces de l'OTAN et des armées des membres individuels du bloc sur les territoires de la Norvège et de la Finlande. Finlande, ça fait qu'entrer dans autant, monsieur. Finlande, pour quand même gagner un an. Finlande, tant. Mon connu puissant, vous, ou habitiez les VDF face à la Russie. Dans les mêmes temps, les infrastructures stratégiques des régions du nord de la Russie pourraient être attaquées à bon. Mbouke, oui. Tendez bien, oui.
C'est pas moi qui ai parlé, c'est dans le journal où je suis là. Dans les mêmes temps, les infrastructures stratégiques des régions du nord de la Russie pourraient être attaquées. Après cela, selon les plans britanniques, les troupes de l'OTAN créeraient une zone tampon à l'intérieur des positions occupées, compris la frontière avec la Biélorussie et les territoires autour de Kiev. Et les forces libérées de l'armée ukrainienne devraient se rendre dans la région militaire Nord-Zone. En tous les cas, gen droit pa gen courant, mais moi-même, mettez au courant. Pas qu'à fin bo tout bagay yo. Eh bien, n'a croisé dans une autre vidéo. Je suis dans le groupe Telegram là, ou bien dans le groupe WhatsApp là. Gen vidéo, c'est là où vous joignez. Moi, remets nous en pile. Merci tout le monde.